Alors, pour comprendre pourquoi notre cabinet a initié une procédure pénale en France il y a un peu plus de 2 ans, qui est à l'origine du mandat d'arrêt contre Riyad Salamé, il faut faire un retour en arrière. Il faut garder à l'esprit le fait que l'universalisation de la lutte contre la corruption est quelque chose de récent. Cette intolérance qui s'est universalisée, les citoyens du monde entier, à l'égard de ceux qui profitent de leur pouvoir pour s'enrichir personnellement et appauvrir leur peuple, finalement est venue dans les années, la fin des années 80-90. Il y a eu cet appel de Genève, des très grands magistrats européens qui se sont levés. C'était un coup de tonnerre et qui ont dit « ça suffit, cette culture de l'impunité ». De ceux qui, dans le secteur privé comme public, nuisent à la confiance envers les institutions et encore une fois, abusent de leur pouvoir pour commettre des crimes financiers. Et il y a eu toute une dynamique qui s'est mise en route. Cette dynamique, elle a conduit à l'adoption de nouvelles conventions internationales. Cette dynamique, elle s'est accélérée après la crise financière mondiale de 2008, parce que les États avaient besoin aussi de ressources publiques. Et puis, des dirigeants européens du monde entier, dans leurs réunions G20, G8, de façon assez hypocrite, bien sûr, ont dessillé les yeux et ont dit finalement, il y a une grande urgence à lutter contre l'évasion fiscale de masse. Mais tout ça s'est fait parce qu'il y a une pression de la société civile qui, pendant toute cette période, s'est mondialisée et s'est professionnalisée. Et c'est dans ce contexte que, en 2007, en ma qualité de président de Sherpa, j'ai eu l'idée de déposer la première plainte en France visant les biens mal acquis par un certain nombre de chefs d'État africains, leurs clans, leurs familles et leurs complices, qui a abouti après toute une série de péripéties procédurales à l'ouverture d'une information judiciaire et à la condamnation de Teodoro Obiang, le fils du despote au pouvoir depuis 35 ans, je crois, en Guinée équatoriale, à une peine de 3 ans d'emprisonnement avec sursis et à la confiscation de ses biens à hauteur de 150 millions d'euros. Ensuite, la procédure se poursuit en France contre les familles qui sont des familles régnantes au Gabon et au Congo-Brazzaville. On a dupliqué cette procédure au moment du printemps arabe. Ça a conduit à l'ouverture d'informations judiciaires contre le clan Ben Ali, contre le clan Moubarak. On l'a redupliqué, ça a conduit à la condamnation, c'est important, définitive, de Rifaat el-Assad. C'est moi qui ai eu l'idée de lancer cette procédure à 4 ans d'emprisonnement correctionnel pour blanchiment et la confiscation de ses biens à hauteur d'environ 100 millions d'euros. Il y a eu des saisies beaucoup plus importantes en Espagne, mais pour des raisons un peu obscures, les juges espagnols traînent le pied pour poursuivre Rifaat el-Assad. Et donc, très naturellement, après la crise financière au Liban, les années après, il y a eu une convergence de voix qui se sont exprimées, qui sont venues vers le cabinet, et pourquoi pas une opération bien mal acquise, Liban. Et ça nous est apparu urgent, impératif, naturel, de porter cette procédure, d'une certaine façon, au nom de l'intérêt général, au nom de l'intérêt du peuple libanais. Donc on a lancé les premières plaintes au nom de Sherpa, naturellement, puisque c'était Sherpa qui était à l'origine des procédures en 2007, qui ensuite ont été relayées par Transparency International France, et au nom du collectif des victimes des pratiques frauduleuses et criminelles au Liban, dirigé par notre ami Aziz Slimane, et qui est une espèce de représentation symbolique peuple libanais en France. Alors, pourquoi Riyad Salamé? C'est pas moi qui ai choisi de façon obsessionnelle de m'occuper de Riyad Salamé. Il se trouve que dans notre travail documentaire d'exploitation de sources ouvertes, de contact avec certains journalistes d'investigation et de différents acteurs, le patrimoine de Riyad Salamé est porté par sa famille. Le patrimoine de la famille Salamé
été relativement transparent du fait de ses investigations. La première plainte a été déposée contre X, parce que c'est contre X qu'il fallait la déposer, mais évidemment, le corps de la plainte s'articulait autour de cette documentation qui permettait de considérer que ce patrimoine de Riyad Salamé et de sa famille en France n'avait pas été acquise uniquement avec son salaire ou de l'eau bénite, mais avait été acquise par des moyens illicites. Lui-même, d'ailleurs, se targue. C'est un homme très riche et des enquêtes suggèrent qu'il avait accumulé une fortune d'un milliard ou deux milliards, bref, des montants totalement hallucinants. Donc une juge a été désignée, Madame Aude Burezi, qui a fait un travail absolument remarquable, avec le soutien du parquet français. Et la compétence du juge français, elle résulte évidemment du fait que les avoirs immobiliers ou mobiliers se trouvent en France. C'est ça qui fonde la compétence du juge français, outre le fait que Riyad Salamé a une double nationalité. Il y a eu des mesures de saisie qui sont connues, il y a eu des poursuites, une mise en examen de sa maîtresse ou son ancienne maîtresse, d'un banquier, Marwan Khairedine, et il y a eu, au mois de mai, le mandat d'arrêt contre Riyad Salamé, qui est évidemment une étape très importante de la procédure. Alors, c'est important de dire que, puisque Riyad Salamé, de temps en temps, se pose comme une espèce de bouc émissaire, qu'il est bouc émissaire, il n'est pas le bouc émissaire, il est un responsable pivot au sein de la mafia d'État, ici, au Liban, mais il y en a d'autres. Et nous voulons dire ici avec Amélie Lefebvre que nous, au sein de notre cabinet, comme au sein d'autres cabinets européens, d'autres kleptocrates libanais, à l'égard desquels s'accumulent des soupçons de détournement massif d'argent public ou de la commission d'infractions financières, sont dans notre collimateur. Salamé, c'est une étape importante, mais c'est une étape qui sera suivie de bien d'autres étapes. Alors, pour répondre entièrement à la première question, pourquoi et comment Riyad Salamé a pu acquérir et jouir de ce patrimoine immobilier pendant toutes ces années dans une totale impunité ? Là, c'est une question complexe. Premier élément de réponse, en France comme dans tous les pays européens, les procédures, les grandes procédures contre la corruption ont toujours été à l'initiative de la société civile et des ONG anticorruption. Il y a toujours une forme d'attentisme ou d'inaction ou de frilosité de la part des procureurs pour des raisons multiples qui peuvent être parfois des raisons politiques parce qu'on sait que Riyad Salamé a bénéficié et continue sans doute de bénéficier de protections occultes en France. Ce qui n'a pas empêché, ce qui n'empêchera pas évidemment l'aboutissement des procédures. Mais que des personnes aient su depuis des années, même au sein de l'administration française, qu'il y avait 1000 raisons de soupçonner l'origine illicite du patrimoine acquis par Riyad Salamé en France, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc les procédures ont été finalement assez élevées, assez soutenues en France, plus vite que d'autres procédures. Nous ferons tout pour qu'elles s'accélèrent et nous ferons tout pour qu'elles s'élargissent à d'autres personnage iconique de la mafia d'État ici au Liban. So now that a warrant of arrest has been issued against Riyad Salamé, the next legitimate question is what will happen next, because it is now known that he did not defer to the subpoena sent by the judge, and he is now forbidden officially to leave Lebanon. The first answer to this, and perhaps the only thing to remember on this point, is that the fact that Riyad Salamé did not present himself before the judge
will not and cannot prevent this investigation to go to the end. There will be a trial held in France, whether he presents himself personally or not. Whether he makes a choice to be represented by lawyers only is a choice that belongs to him, which is open to him. But whether he does or not, this will not slow down the investigations which have been ongoing and will not prevent the investigations to go to their term. The decision that has been taken in Lebanon to forbid him to travel outside the Lebanese territory is a unexpected and expected decision. It's unexpected because one could have hoped that the Lebanese authorities would have taken this opportunity to take action on their demonstrated will to put an end to impunity, to give way fully to the cooperation and the commitments they have taken internationally to put some order within the political ranks in Lebanon. It's also unexpected because this was and is still, I hope this is not a definitive position from the Lebanese authorities, there is still a door to open here. This is also the perfect opportunity to show that the Lebanese authorities are ready for a change and they are ready to give force to the principle of accountability. And it is very important that the warrant of arrest be given force and that Riyad Salameh be authorized to travel and to present himself before the French judges. It is also expected. It is expected because Riyad Salameh has very powerful protection in Lebanon and abroad. It was the case yesterday, it is still the case today, and this protection will, of course, we are not completely naive, disappear tomorrow. This decision from the Lebanese authorities enables him to present himself as a hostage, but we are no fool. He is not a victim. And he is not retained in Lebanon completely against his will. In any event, judicially, this is not a form of protection which will be efficient for him. It is not a decision behind which he can hide, and this decision will not prevent the French justice to continue marching in the course of the investigations that have been ongoing for the last 2 years. We are not worried that he might not present himself before the French judicial authorities. We are convinced that he has definitely the power and the network to have this decision reversed in Lebanon, and that if his will is to explain himself and exercise his rights and his rights to a defense fully in France, which the French judges have constantly reminded him of, and he has had many opportunities to present his arguments before the French judges. Well, he is at full leisure to do so as soon as tomorrow. C'est très important de garder à l'esprit que ces procédures qui visent Riyad Salameh ont abouti à des saisies à hauteur de plus de 300 millions d'euros à l'échelon européen. C'est un montant évidemment déjà très important, mais
ça n'est que la face immergée d'un iceberg, tout le monde le sait, beaucoup plus vaste. Et ces mesures de saisie, elles ont été possibles parce qu'il y a eu une coopération extrêmement dynamique entre les juges européens qui sont venus ici plusieurs fois au Liban. C'est important de dire ça, c'est-à-dire que c'est une des premières fois où 3-4 autorités judiciaires européennes en même temps se mobilisent, mutualisent les informations, coopèrent pour essayer de rendre le plus efficace possible leur enquête. Donc c'est quelque chose qui a donné un coup de feu aux procédures et qui va sans doute les accélérer. Les mesures de saisie en France ou au Luxembourg, même si ça reste un rêve, pour l'instant, loin d'être exaucé. S'il y avait des procédures effectives ici contre Riyad Salameh, ça ne mettrait aucunement un terme aux procédures en France, ni au Luxembourg, ni en Allemagne, ni en Suisse. Chacune a son autonomie. Pourquoi chacune a son autonomie? Parce que pour chacun des pays, il y a des biens, des avoirs bancaires, des biens immobiliers. Et puis si le Liban un jour a la capacité de démontrer sa volonté de coopérer avec les juges européens, évidemment, ça pourrait être une valeur ajoutée supplémentaire à toutes ces procédures. Alors, sur ces mesures de saisie, il y a un principe qui a été affirmé dans la convention dite de Mérida, qui est la grande convention universelle des Nations Unies en 2003. Ce principe, il est de dire, et c'était très nouveau, personne n'y songeait dans les années 80, il faut restituer aux populations qui ont été appauvries, qui ont été mises à genoux du fait de l'enrichissement d'un clan, d'une voyoucratie, il faut restituer à ces populations les biens qu'ils ont détournés. C'est ça l'ambition que nous portons. C'est ça l'ambition qui est portée par les différentes procédures des juges européens. D'où ces mesures de saisie. D'où ces mesures de saisie. Alors, il faut ici clarifier les questions juridiques que ces mesures de saisie posent. Il y a une loi qui a été adoptée en 2021, en août 2021 en France, dont j'étais un des, je veux dire les choses avec humilité, mais un des initiateurs du fait de ces procédures contre les chefs d'État africains. Et cette loi veut respecter, et dans le prolongement de la Convention des Nations Unies de 2003, elle organise un contrôle des modalités de restitution des avoirs saisis. Et pas dans n'importe quelle condition. La première condition pour que cette loi s'applique, c'est que un fonctionnaire public ou quelqu'un qui a eu un mandat public ait été poursuivi et condamné définitivement. Sans excès de confiance, ça va être le cas, puisque Riyad Salameh occupait des fonctions publiques. Et contrairement à ce qu'il affirme, cette propagande ridicule, l'argent qu'il a détourné est bien de l'argent public libanais. Donc cette loi a vocation à s'appliquer, mais elle ne s'applique que si une deuxième condition est remplie. Cette deuxième condition, c'est si, en France, il y a des raisons de douter sérieusement du fait que si les avoirs saisis, et ensuite, c'est la troisième condition, font l'objet d'une confiscation judiciaire définitive, il y a des raisons de douter du fait que si cette richesse est restituée à l'État libanais, elle ne sera pas mise à disposition du peuple libanais. Ça, c'est une question centrale. Je vous donne un exemple. La Guinée équatoriale avait tenté de se constituer partie civile. Et le juge français a dit non, vous ne pouvez pas vous constituer partie civile. Parce que d'abord, tous vos représentants disent qu'il n'y a aucun détournement, que tout ça, c'est une espèce de délire des ONG. Et puis, ce que n'ont pas dit les juges français, mais ce qui est un consensus politique et citoyen, c'est qu'on ne va pas rendre l'argent détourné à ces pays. C'est comme si on attrape l'auteur d'un hold-up qui vient de commettre un hold-up dans une banque et on lui dit « Ah, pardon, monsieur, on vous rend l'argent. » C'est la même chose. Ça serait donc une prime au délinquant, à l'astuce du délinquant. On saisit, on vous le rend. Si on rend l'argent saisi à l'égard de la famille Bongo et qu'on le rend à la famille Bongo, à l'État gabonais, personne ne peut douter une seule seconde que
pas une seule seconde, le peuple gabonais enverra la couleur. Bon, donc, le jour où il y aura des confiscations définitives sur les mesures, prolongeant les mesures de saisie contre Riyad Salamé, certains membres de sa famille, et c'est l'action des juges européens contre d'autres oligarques libanais, eh bien, à ce moment-là, en France, il y aura une réflexion politique, institutionnelle, sous la surveillance de la société civile et des médias. Est-ce que les autorités libanaises pourront apporter des garanties suffisantes de ce que, si une restitution s'opérait à son profit, cette restitution interviendrait in fine au bénéfice d'une population libanaise qui a souffert et qui continue à souffrir d'une façon absolument tragique du cynisme de quelques hommes qui, au mépris de tout leur mandat et au mépris de l'intérêt général, au mépris de la loi libanaise, a mis à genoux ce pays en organisant, externalisant leur enrichissement à travers un patrimoine dispersé dans de nombreuses sociétés offshore en France et dans le monde. Voilà, donc cette question, elle n'est pas pour l'instant d'actualité, mais elle se posera nécessairement à un moment ou à un autre. Ça sera la responsabilité de l'État libanais de montrer qu'ils sont en capacité de recueillir tout cet argent qui a été saisi et de le mettre à la disposition du peuple libanais, c'est-à-dire de l'intérêt public libanais. Quand la société civile a fait pression sur les États dans les années 80-90 pour renforcer la législation, il y a quelque chose qui s'est imposé, qui est de créer une nouvelle infraction, qui est l'infraction de blanchiment. Blanchiment, ça veut dire utiliser le produit d'une infraction qui est l'infraction source, par exemple ici, abus de confiance, escroquerie, détournement d'argent public, et d'opérer un placement à partir de l'argent détourné dans une banque ou pour acquérir des biens immobiliers. C'est ça l'infraction de blanchiment. C'est une infraction autonome. C'est-à-dire que les poursuites en France iront à leur terme, même si, ce n'est pas encore d'actualité malheureusement, mais ça pourrait arriver, il faut le rêver, même si Riyad Salamé ou d'autres kleptocrates, oligarques libanais étaient poursuivis pour les infractions sources commises au Liban. Les deux procédures peuvent se mener parallèlement, il y a des exemples historiques, et par conséquent, il n'y a pas d'incompatibilité entre continuer à poursuivre Riyad Salamé ou d'autres pour blanchiment et le cas échéant le poursuivre pour les infractions sources commises ici au Liban. Il est important aussi de dire que il s'agit de procédures pénales, il ne s'agit pas de procédures civiles. Le caractère civil de la procédure, il peut résulter du fait que l'État libanais se constitue partie civile, ce qui a été le cas il y a quelques semaines, dans des conditions que chacun connaît, et va jusqu'au bout de cette constitution partie civile pour demander la restitution à son profit des avoirs détournés. Mais ça n'ouvre pas de droit à une autre procédure civile qui serait par exemple menée dans le cas d'une class action, n'est-ce pas Amélie, au nom d'un collectif d'épargnants libanais ou franco-libanais. La procédure pénale qui existe en France aujourd'hui et l'instruction qui est conduite à Paris est totalement distincte des actions qui sont prises, ont déjà été prises par le passé. Il y a déjà plusieurs procédures en France et ailleurs d'ailleurs qui ont été initiées ou qui pourraient être prises à l'avenir directement par des déposants libanais qui ont été lésés lorsque l'accès à leur compte leur a été refusé et que leurs avoirs ont été gelés, bloqués, placés ailleurs et dont ils ont été privés au Liban. Les procédures qui sont menées actuellement par des déposants en France, pour celles qu'on connaît, celles que l'on traite également au cabinet, sont des procédures purement civiles qui concernent des actions qui sont individuelles de déposants contre des banques. On pourrait imaginer effectivement que plusieurs déposants se réunissent lorsque l'action concerne la même banque, qu'ils ont été privés de leurs avoirs
et de leur épargne dans les mêmes conditions, mais c'est totalement indépendant de la procédure qui concerne les infractions de détournement de fonds publics et de blanchiment de fraude fiscale également, et de fraude fiscale aggravée en France, et qui, elle, concerne Riyad Salamé et d'autres figures publiques libanaises. Les plaintes qui sont déposées par les épargnants libanais directement en France sont en réalité des procédures civiles qui peuvent mener au dédommagement de ces déposants directement en France lorsque ces procédures civiles arriveront à leur terme, mais elles ne sont absolument pas corrélées au travail qui est mené par les magistrats instructeurs et par le parquet national financier à Paris. Elles sont également indépendantes des procédures qui sont menées à Beyrouth directement. Il y a une réflexion collective qui a été menée d'ailleurs entre notre cabinet et l'Ordre des avocats à Beyrouth et avec des confrères ici au Liban, puisque nous réfléchissons en parallèle à un certain nombre d'actions qui peuvent être menées directement par ces déposants et qui vont concerner cette fois-ci vraiment la restitution de leurs avoirs, de cette épargne qu'ils ont mis pour la plupart toute une vie à constituer et à placer ici au Liban à une époque où les banques libanaises, qui ne sont pas exemptes de toute responsabilité dans la situation que les déposants connaissent aujourd'hui, à une époque où ces banques proposaient des placements et des taux d'intérêt qu'il était extrêmement difficile de refuser. Mais ce sont des initiatives, même si elles s'inscrivent dans ce même élan de lutte contre une certaine forme d'impunité qui a trop perduré au Liban, ce sont des procédures qui sont absolument distinctes. On essaye depuis plusieurs années d'être au service de l'intérêt général libanais et d'un certain nombre d'épargnants. Mais en même temps, l'éthique que doit respecter un avocat, spécialement face à une tragédie comme celle que connaît le Liban, c'est d'être totalement honnête intellectuellement et rigoureux. La situation devant le juge français d'un épargnant libanais qui réside au Liban n'est pas la même que la situation d'un épargnant libanais, franco-libanais, qui réside en France. Le fait qu'il réside en France lui donne un accès au juge français prévu par la loi française qui est un accès qui est beaucoup plus difficile pour un épargnant libanais qui réside à Beyrouth. On ne va pas rentrer dans le détail. Nous agissons pour le compte d'un certain nombre d'épargnants libanais qui résident à Beyrouth, mais le chemin judiciaire est complexe, difficile. Nous ne sommes pas des marchands de rêves ou d'illusions et nous ne le serons jamais. Nous faisons le mieux, nous donnons le meilleur de nous-mêmes, mais ce chemin pour les épargnants libanais qui résident au Liban sur le plan civil est difficile. Il se heurte à un certain nombre d'obstacles juridiques qui, pour l'instant, n'ont pas été franchis définitivement et ça peut demander des années. Par contre, pour deux épargnants libanais qui ne résident pas en France, mon cabinet a développé l'idée de déposer une plainte à l'encontre d'une filiale française d'une banque libanaise pour complicité d'organisation frauduleuse d'insolvabilité. C'est-à-dire le soupçon du fait que la filiale parisienne s'est prêtée d'une façon frauduleuse à cette opération massive d'externalisation des avoirs de la banque, de la maison mère, vers l'AFIP, au détriment des épargnants libanais et au bénéfice de certains des actionnaires et de certaines des plus grandes fortunes offshore de la diaspora libanaise. Et donc, nous attendons la réponse du procureur quant à l'ouverture d'une information judiciaire, nous l'espérons prochainement, et puis nous gardons à l'esprit le fait que, au-delà de ce soupçon d'organisation frauduleuse d'insolvabilité, que les filiales ont été complices
des maisons mères dans cette opération de transfert massif après la crise de 2019 et pendant la crise de 2019, que la question de la responsabilité pénale des filiales européennes, des banques libanaises, est maintenant sur la table. Elle est sur la table, pas simplement en raison de cette connivence avec les maisons mères pour organiser cette expatriation massive au préjudice du peuple libanais, mais elle est sur la table parce qu'il existe des soupçons du fait que les bilans de ces filiales libanaises, de banques libanaises en Europe, pour maquiller cette opération massive de transfert de dizaines de milliards, et bien que ce maquillage s'est fait au prix d'un trucage dans les écritures comptables et donc dans le bilan de ces banques. C'est trop tôt pour faire quelque effet d'annonce, mais juste nous voulons dire que la question de la responsabilité des filiales de ces banques est sur la table d'un certain nombre de cabinets d'avocats, le nôtre, et certainement sur la table d'un certain nombre de procureurs et de juges européens. C'est sans doute un grand chantier qui va s'ouvrir cette année, dans les prochaines années. Les poursuites pénales contre les auteurs des grands crimes qui sont à l'origine de préjudices très importants pour les peuples, les poursuites contre ces personnages, publics ou privés, elles ont plusieurs objectifs. D'abord, leur faire rendre des comptes, qu'ils soient condamnés, que ce soit l'occasion d'un débat public, parce que c'est le débat public aussi qui permet un travail mémoriel, qui permet, c'est un des facteurs parmi d'autres, d'opérer une véritable transition démocratique, faire une autre culture politique. Et ces poursuites, ces grands procès publics, que ce soit pour les grands criminels de sang, devant la Cour pénale internationale, pour génocide, crimes contre l'humanité, ou à l'égard des grands criminels financiers, c'est aussi l'espérance d'un peuple de mettre un terme à une culture d'impunité. La commission des grands crimes financiers suppose que dans une société vivante, où le peuple aspire à un bien-être collectif et à mettre un terme à le cercle vicieux de la paupérisation, suppose que les responsables publics ou privés renoncent à faire de la fin justifie les moyens leur philosophie quotidienne, une philosophie où, à un moment, d'ailleurs, les moyens se mélangent, se confondent avec les fins. Et donc, c'est mettre un terme à la culture de l'impunité au Liban est évidemment une ambition que nous portons avec d'autres, et c'est très certainement un des objectifs que nous devons tous avoir à l'esprit. C'est au-delà de la condamnation un jour de ces hommes, de dissuader d'autres acteurs au Liban, privés ou publics, de persévérer dans cette culture du crime, de persévérer dans cette culture de l'abus de pouvoir, de persévérer dans cette culture de la fin justifie les moyens, quoi qu'il en coûte pour le peuple libanais. Donc oui, les poursuites pénales sont un outil, ce n'est pas le seul, parce qu'il faut évidemment tout un aspect culturel, politique, institutionnel, mais ce n'est pas le seul. Oui, ces grandes procédures pénales sont un outil, un instrument essentiel pour réduire progressivement la culture d'impunité si dévastatrice pour l'intérêt général au Liban depuis des années. Il existe maintenant depuis plus de trois ans, on le sent, un véritable mouvement, plus qu'un soulèvement, puisque on sent que ça perdure dans le temps, un ras-le-bol de la société civile, y compris de la part de personnes, d'acteurs, qui ont pu faire partie du système, ou font encore partie d'un certain système au Liban aujourd'hui, qui a permis justement les mécanismes qui sont investigués aujourd'hui en France et ailleurs en Europe, de détournement massif, de permettre ces flux massifs d'argent à l'extérieur du Liban.
et ce ras-le-bol s'est traduit fort heureusement pour nous par la collecte et la transmission de nombreuses informations précieuses, très précieuses, qui nous ont permis de corroborer des informations, de les documenter, de les transmettre aux autorités judiciaires françaises dans le cadre des investigations qui sont actuellement conduites. Il y a en particulier la plateforme ALB, Alert Lebanon, qui est disponible sur Internet, par laquelle nous avons déjà reçu des informations de la part de ces lanceurs d'alerte, en quelque sorte, parfaitement anonymes, y compris pour nous, des informations qui nous ont été transmises de façon sécurisée. À notre connaissance, les individus qui ont pu nous communiquer des informations via cette plateforme n'ont toujours pas été identifiés. Nous n'avons pas cherché à les identifier, ils n'ont pas été inquiétés à ce jour. Donc c'est un outil extrêmement précieux qui existe, qui est accessible et par lequel des informations peuvent être transmises et on a pu en recevoir déjà comme ça par le passé. Cette impulsion qui a été donnée avec cette procédure pénale en France, mais pas que, comme l'a rappelé William, nous espérons qu'elle va perdurer dans le temps. Nous sommes absolument conscients que les acteurs qui font le même travail que nous en France, ici au Liban, ne le font pas dans les mêmes conditions, que les obstacles sont autrement plus nombreux et difficiles à franchir ici au Liban. Mais nous restons optimistes. Nous avons chaque jour, chaque semaine, des manifestations qui se multiplient du fait qu'il y a ici, au Liban, à Beyrouth même, de nombreux acteurs de la société civile, mais pas que. Il y a des magistrats également qui n'ont à cœur que de servir l'intérêt général au Liban et de mettre un terme à cette culture d'impunité, de faire tenir les responsabilités en France et au Liban. Et nous les encourageons, s'ils ont des informations intéressantes à transmettre, à utiliser justement cette plateforme.